Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halloween et ce sera très certainement la dernière. Donc, ça a été ma vidéo préférée à réaliser, à tourner et j'espère qu'elle vous plaira. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est Belle de La Belle et la Bête qui est restée trop longtemps avec la bête et qui est un petit peu pourrie, moisie. Bref, on va passer avec le make-up. Donc, il nous faudra de la cire à modeler que je vais chauffer entre mes mains et disposer sur ma joue. Ensuite, je vais l'étaler un petit peu, lisser les bords avec mes doigts et un petit peu de crème de jour. Vous pouvez aussi utiliser de la vaseline, apparemment c'est beaucoup mieux, mais je n'en avais pas sous la main. Ensuite, donc je vais essayer de faire un rendu relativement lisse et avec le dos d'un pinceau, je vais créer mes petits trous, mes petites cavités là, je sais pas comment appeler ça en fait. Donc je prends le dos d'un pinceau et j'en prends des différents afin d'avoir des tailles différentes tout simplement. Et donc là, il y a différentes images parce que ma caméra n'a pas voulu filmer, j'ai dû refilmer, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment la galère. Donc, je m'excuse d'avance pour la qualité qui, au fur et à mesure de la vidéo, va devenir un peu médiocre. Mais voilà, c'était le seul moment où je pouvais filmer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous aurais quand même montré au moins la base. Ensuite, avec du fard à paupières noir et un pinceau, je viens de délimiter, enfin faire tout le tour de ma cire à modeler. Voilà, pour créer cet effet quand même, j'ai la joue un peu pourrie. Donc, bon, faut quand même mettre un petit peu de noir, etc. Donc, je vais faire tout le tour pour cacher un peu les bords. À savoir que la cire à modeler est beaucoup, beaucoup plus difficile à camoufler au niveau des contours que le latex, je trouve. Après, j'avais pas de la cire à modeler de qualité. Je l'ai eu dans un magasin de farce et attrape pour 4 euros. Et voilà, la qualité, je voyais qu'elle était vraiment très très médiocre. Donc je viens étaler mon noir comme je le souhaite avec mon petit pinceau. Après, avec de l'eyeliner noir, je viens mettre du noir dans tous les petits trous que j'ai fait pour donner un effet de profondeur. Je viens également mettre du rouge, là c'est du rouge en maquillage crème, dans tous les petits trous, voilà, pour faire tout simplement comme s'ils étaient ouverts, bah, comme si c'était une plaie un petit peu et qu'on voyait l'intérieur de ma joue. Je viens mettre également de la crème rouge un petit peu partout et sur le tour pour voilà, donner cet effet de dimension et de profondeur. J'ai oublié de préciser que la cire à modeler à travailler sur les parties molles du visage comme la joue est très très compliquée. Donc si vous voulez en mettre, n'hésitez pas à le faire plutôt sur des parties dures comme le front, les bras, les épaules, etc. Après, je vais mettre du sang, du faux sang dans tous les trous pour voilà, donner ce super bel effet. Et c'est déjà terminé. Après, j'ai collé des grains de riz non cuits dans les petits trous que j'ai tout simplement appuyé. Ça s'est enfoncé dans la cire à modeler. C'était tout simple et ça donnait tout cet effet vraiment dégueulasse. Après, pour le maquillage des yeux, j'ai fait mon creux de paupière avec un taupe marron très clair. Je vais mettre du doré sur toute la paupière mobile. Je voyais vraiment le make-up de Belle dans les tons taupe, marron, doré, mais tout en subtilité. Donc c'est ce que je vais faire et franchement le rendu sur les yeux était magnifique, je l'ai refait sans les faux cils dans la vie de tous les jours et on m'a dit qu'il était magnifique. Ensuite je fais un trait de liner très fin au niveau du ras des cils et une virgule très peu prononcée, très très fine, très légère, tout comme j'ai pas l'habitude de le faire mais je trouve ça magnifique. Je viens également dessiner mes sourcils parce que toutes les princesses de Disney ont des magnifiques sourcils très bien arrondis, très bien dessinés. Une fois que c'est fait, je mets beaucoup de crayon blanc dans la muqueuse et vous voyez, je vais faire dépasser légèrement au niveau du ras des cils au lieu de mettre du fard. Je vais mettre un petit peu de crayon blanc sur le ras des cils pour agrandir mon regard. J'ai mis des faux cils, mon mascara en haut et en bas. Ensuite, je vais mettre du fond de teint parce que comme toute princesse de Disney qui se respecte, on a un teint parfait sans aucune imperfection. Donc je vais mettre du fond de teint assez couvrant sur tout mon visage et je l'estompe avec mon Beauty Blender humidifié, très important. Je vais mettre de l'anti-cerne parce que j'avais d'énormes cernes et ça c'est pas du tout digne d'une princesse, on est d'accord. Donc je vais mettre mon anti-cerne de chez Sephora et je l'estompe avec mon Beauty Blender humidifié toujours. Je mets beaucoup beaucoup de blush pour rosir mes joues parce que ça c'est le caractéristique des princesses de Disney. Elles ont toutes les belles joues roses donc j'en mets et je n'hésite pas. Pour le rouge à lèvres, ce sera un rose très très clair. Moi, j'ai choisi mat, mais peu importe, sincèrement. Et de toute façon, j'avais la moitié de la joue tout à l'heure complètement défoncée. Donc voilà pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment super beau, super simple, digne d'une princesse.
Donc voilà ce que ça donne avec les lentilles, le make-up, la joue, etc. Les petits grains de riz, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dégoûtant. Pour la tenue, j'ai mis des chaussures à talons, une robe que j'ai fait en tulle jaune avec mon copain qui m'a bien aidé, un débardeur jaune que j'ai retroussé un peu les manches, une perruque et le tour est joué. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, c'est ma vidéo préférée. J'ai énormément investi, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous et bon Halloween !